Notre chronique pratique à présent avec Éline Dany, comme chaque soir. Éline, ce soir, on s'intéresse avec vous au déménagement. Beaucoup se demandent, bien sûr, comment ça va se passer. Est-ce qu'on a le droit ou pas de déménager depuis lundi et ce début du déconfinement? Alors, la grande majorité des entreprises de déménagement, en fait, avaient stoppé leur activité depuis le 17 mars dernier à cause du coronavirus. Et les déménageurs professionnels vont peu à peu reprendre leur activité. Alors, si vous souhaitez déménager et que vous faites appel à une entreprise pour votre déménagement, la limitation des 100 km à vol d'oiseau n'est pas en vigueur. Les déménageurs travaillent d'ailleurs pour un guide de bonnes pratiques pour bien respecter les consignes sanitaires. Si vous voulez déménager avec l'aide de votre famille ou de vos amis, eh bien c'est possible, mais vous ne pouvez déménager qu'avec l'aide de 10 personnes maximum et dans un rayon de moins de 100 km de votre ancien domicile. Au-delà de 100 km, les déménagements en famille ou entre amis seront autorisés uniquement si on ne peut pas le reporter pour un motif familial ou professionnel impérieux. Il faudra alors, comme cela était le cas avant le déconfinement, en fait, vous munir d'une attestation sur l'honneur sur laquelle on indique le motif du déménagement et les lieux de départ et d'arrivée. N'hésitez pas aussi à appeler la gendarmerie et la police pour signaler votre déménagement et vous renseigner pour savoir s'il existe des restrictions locales spécifiques. Alors, Éline, on le sait, avec les beaux jours qui arrivent, les déménagements sont nombreux en cette période. Il y a eu beaucoup de retard avec le confinement. Le gouvernement a pris du coup des mesures concernant la circulation des camions. Et oui, pour compenser les déménagements qui n'ont pas pu se faire durant le confinement, le gouvernement a publié un arrêté qui permet en fait aux camions de déménageurs professionnels de circuler pendant les jours fériés qui arrivent, donc l'Ascension et la Pentecôte. Les camions concernés sont ceux qui font plus de 7,5 tonnes, qui habituellement en fait ne peuvent pas circuler les week-ends et les jours fériés. Ils pourront donc exceptionnellement rouler du mercredi 20 mai à 16h jusqu'au 21 mai à minuit et du 31 mai à 22h jusqu'au 1er juin à minuit. Merci beaucoup, Éline, pour toutes ces précisions concernant les déménagements.